Salut à tous, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel en deux parties, je pense. Petit tutoriel que vous m'avez demandé. Le petit tutoriel sur la station de police hein, qu'on a ici devant. Donc tutoriel en deux parties. Je pense faire le bâtiment dans la première partie. Et deuxième partie, on fera la déco intérieure plus la déco extérieure. Donc voilà ce poste de police. On va faire un petit fly-around comme ça. Donc poste de police inspiré du poste de police qu'on trouve sur le jeu SimCity 4, dont SimCity 5, excusez-moi. Donc c'est le poste de SimCity 5 retranscrit sur Minecraft. Attention, petit bug de souris. Et donc, ben, on va passer tout de suite au tutoriel. Et donc voilà, on se retrouve sur une petite flat map. Si vous construisez ça dans un monde, je vous conseille sur une flat map d'avoir pas mal de marge en bas, vous voyez. Ici, j'ai une dizaine de blocs, histoire de pouvoir faire en dessous les cellules. Parce que si vous êtes sur une map flat de base, ça risque d'être un petit peu embêtant. Mais bon, au pire, vous ne faisiez pas les cellules, ou bien vous faites pas les cellules, ou bien vous les faites en plus petit. Et donc, on va s'attaquer à ça. Donc, comme bloc, vous aurez besoin de stone bricks, d'escaliers en stone bricks et de blocs en stone bricks. De smooth sandstone, donc c'est la sandstone lisse. Deux blocs bleus, donc de la laine bleue pour moi. La tiraille en quartz. Ensuite, des vitres de la couleur que vous voulez. Je vais les prendre blanches. De la laine bleu clair, ça sera pour plus tard. Et des briques. Alors, vous commencez. Donc, cette ligne ici signifie à peu près une route. Donc, le bord d'une route. Donc, vous voyez un trottoir. Donc, imaginez ici, vous avez la route. Donc, si vous avez déjà construit un monde. Pour la déco extérieure, puisqu'on commence par le bâtiment, vous allez compter juste 6 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après ces 6 blocs, vous pouvez commencer tranquillement à attaquer votre magnifique construction. Voilà, comme ça on a posé le premier bloc par rapport à la route. Ensuite, on va poser un escalier ici. Deux escaliers à l'intérieur. Poc, poc. Ça comme ceci. Ça comme ceci aussi. Des briques. Voilà. Là, on a notre escalier d'entrée. Perfecto. Ici, vous pouvez déjà rajouter de la stone. Et donc, on a notre escalier d'entrée. Donc, maintenant, on va faire les dimensions de notre maison. Donc, on va prendre la sandstone et on va tirer des lignes. Donc, ici, vous allez compter. Oula. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, là, depuis le milieu, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Ça nous fait 12 au total. Ici, on va compter 24, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà. Donc on a la longueur et la largeur de notre bâtiment. Ensuite, on va refaire 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4, comme ceci. Pareil là-bas, 1, 2, 3, 4. Et ici, on va tirer une ligne. Donc, on est 104 d'espace. Et ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sans compter le bloc de l'angle. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. On commence ici. On pose un bloc dans l'angle et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on relie ça. Comme ceci. Parfait. Ça devrait vous donner une sorte de T comme ça, très aplati. Donc voilà. Et donc ben là vous avez déjà votre forme du bâtiment. Donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à ce bâtiment, mais étage par étage, ça sera le plus simple pour construire. Donc on va commencer par la façade avant et je me rends compte que j'ai déjà perdu mes blocs bleus. Alors pour la façade avant, ça va être assez simple. Si j'arrive à redescendre, bien sûr. Alors, un petit look sur mes plans, excusez. On va prendre les briques et on va pouvoir compter ici 1, 2, 3, 4 blocs si je dis pas de bêtises. Non, je crois que c'est bien ça, 4 blocs. Parfait. Donc 4 blocs ici, comme ceci. Comme ceci. Ici sous la porte, on va pouvoir remplacer les deux blocs. 4 blocs ici, pareil ici, ici et ici. Vous laissez juste des espaces comme ça pour les fenêtres.
On fait la même chose. 4 blocs. Parfait. Ensuite, on va pouvoir poser des portes pour les portes d'entrée de notre truc. Donc, on va les poser côté extérieur, c'est égal, comme ceci. On va pouvoir poser au-dessus des portes de la stone bricks. Ça va aussi très bien. Et ensuite, on va pouvoir attaquer au quartz. On va faire un petit paravent. Tout ça. Donc, on va faire un carré comme ceci. Et on va rajouter une couche au-dessus. Parfait. Ensuite, ici, poc, poc. Parfait. Donc là, on va commencer les vitres. Ça, comme ceci. Et ici, on va pouvoir mettre des vitres. Parfait. Je regarde vite mes plans et on se retrouve pour attaquer le reste. Et donc voilà, j'ai été regarder mes plans et je me suis rendu compte que je vous avais bien dit une petite connerie, c'est que ici on va devoir rajouter un bloc au-dessus, un bloc de hauteur ici. Et donc on va tout pouvoir décaler d'un, donc ça on va le poser un au-dessus. Ici on va pouvoir rajouter une vitre pour avoir des longues fenêtres allongées, ça aussi. Et ça vous n'allez pas l'allonger d'un, mais juste d'un demi. Donc on va refaire la même chose ici, donc sur le bloc du haut, comme ceci et comme ceci. Et ici, vous allez pouvoir faire un truc comme ça. Vous allez creuser ici dedans. Enfin, ça, c'est vous qui voyez. Moi, je trouve que ça fait joli. Et vous allez prendre des vitres. Et au-dessus des portes, vous allez poser une petite vitre comme ceci. Parfait. Ensuite, ici, on va s'attaquer au côté. Donc, le côté, c'est assez simple. Là, il va juste vous suffire de tout remplir. Comme ceci. En stone bricks, parfait. Ensuite, quand vous avez fait ça, on va poser notre pylône comme ceci. Parfait. Là, on va casser et on va traverser jusque à l'autre côté. Et là, vous allez casser la sandstone. Vous allez monter tout ça aussi. Parfait. Vous allez laisser ça ouvert. Donc ça sera le garage. Parfait. Ensuite, on va pouvoir continuer ici. Donc ici, il n'y a pas plus simple. Vous virez tout ça et vous remplacez tout ça par de la stone brick. Donc je fais ça, on se retrouve après. Et donc voilà, j'ai fait ce petit mur, comme vous avez pu le voir. Et donc on va rattaquer ici. Donc ici, pour rejoindre de nouveau le mur par là, on va de nouveau toute cette zone poser aussi du mur en stone brick en enlevant la sandstone qui est restée dessous. Parfait. Et là, on va pouvoir attaquer avec la sandstone dessous. Donc là, vous allez garder cette petite ligne de sandstone au sol. Alors, parfait, comme ceci. Ici, vous rajoutez un bloc, comme ceci. Vous en loupez deux, vous tirez. Et là aussi, tirez quatre blocs comme ça. Et là, vous rajoutez deux blocs. Donc, on va continuer à monter tout ça. Oula. Parfait. Et ici, on va pouvoir rajouter quelque chose comme ceci. Donc, vous refermez simplement. Vous laissez des trous pour les fenêtres. Parfait. Donc, pour ces fenêtres, on utilise la même technique. Donc, on met des escaliers à l'envers. Des dalles sur le haut de la fenêtre. Et on va utiliser les mêmes vitres qu'on a utilisées avant. C'est-à-dire les vitres blanches pour combler l'espace. Vous pouvez aussi utiliser d'autres sortes de vitres. Moi, je trouve que les vitres blanches, ça c'est joli, ça fait un rappel de couleur avec un peu le tout. Et ça évite de rester dans le bleu, mais utilisez les vitres que vous voulez. Parfait. Donc maintenant, on va s'attaquer au plus grand mur. Donc ce mur-là, ça va être aussi très simple. On va rester dans la stone brick, hein, pour tous les étages du rez-de-chaussée. On est dans de la stone brick. Donc on va tirer trois blocs ici. Parfait. Ensuite, on va louper deux. Une colonne. Deux et deux de colonne. Voilà, on continue comme ça. Ensuite, deux ici, vous faites une colonne. Deux ici, vous faites une colonne. Deux ici. Et là, ça vous reste trois. Donc, après, quand vous je ferai ça après, dans chaque trou, vous allez poser, comme avant, des vitres. Trois vitres de hauteur, comme ceci. Un bloc et des dalles, comme ceci. Et vous répétez ça sur toute la longueur. Donc, je fais ça hors cam et on se retrouve juste après. Voilà, on a fini notre façade avec les fenêtres. Et donc, maintenant, on va faire
Puisqu'on a fini notre rez-de-chaussée, on va un peu couper le rez-de-chaussée du reste de l'immeuble. Et donc ici, on va faire quelque chose. Vous allez poser un bloc pour vous appuyer. Et en fait, on va faire tout le tour de notre immeuble. Absolument tout le tour avec des escaliers à l'envers comme ça, en quartz. Tout le tour, vous faites comme ça, tout le tour. Et on se retrouve juste après que j'ai fait ça hors cam. Et donc voilà, on arrive au bout de ce premier étage. Donc j'ai fait le tour comme ça avec des escaliers. J'ai comblé le trou qu'il y avait ici avec la stone brick. Ça, c'est vraiment pas obligatoire. De toute façon, on voit pas. C'est juste pour pouvoir après poser des blocs par-dessus pour pouvoir continuer. C'est vraiment pas obligatoire. Et donc, on va pour finir ce dernier étage, il manque un tout petit élément. Vous allez venir ici. Vous allez prendre du quartz pilier ou le bloc que vous voulez. Je vais prendre le quartz pilier. Et vous allez venir ici derrière et vous allez tendre une ligne, deux lignes. Et ici, vous allez juste descendre ça. Parfait. Petit détail, ça vous le cassez, vous le remplacez par de la brique. Donc ça fait, oula, un peu le store, oui, c'est pas le store, mais le garage qui descend, vous voyez, ça rend assez bien, je trouve. Parfait. Donc là, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. Donc dans les angles ici, on va faire avec des escaliers, on va empiler des escaliers comme ça, pour donner l'impression de sorte de brique. Oui, c'est pas. C'est un peu compliqué à vous expliquer ça, mais souvent dans les bâtiments, on a quelque chose qui ressemble comme ça au bord des fois, vous voyez. Ça rentre, ça ressort, ça fait plus grand, ça fait plus petit. Et là, vous avez le mur. Ben, c'est ça, mais en plus petit, en fait, pour que ça soit plus détaillé. Donc aussi, pour donner un peu de relief au bâtiment. Parfait. Et donc, ici, on va pouvoir faire les fenêtres. Donc, vous allez créer une ligne bleue. Ici, vous allez aussi empiler des escaliers. Pour l'instant, la hauteur n'a pas d'importance. On verra après. Comme ceci. Je vais remettre le jour. Parfait. Et donc, on va tranquillement empiler nos choses. Comme ceci. Vous empilez comme ça. Ensuite, là, vous faites deux de large. Aujourd'hui, je suis vraiment pas fort en orthographe. 1, 2 de large. Parfait. Est-ce que j'aurais fait une erreur quelque part? Je crois bien. Attendez. Non, en fait, ici vous faites 1, ici vous faites 1, et là 2. Pardon. Donc, 1, ça donne ça. 1, 1, 2, 2, 1. Voilà, parfait. Et ces lignes, vous pouvez les continuer jusque tout en haut. Parfait. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Parfait. Ensuite, on va continuer avec nos glass panels. On va les empiler 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. Et un escalier à l'envers sur le dessus. Un toc, toc, toc et toc. Pour donner un peu de relief. Voilà. Donc là, on a notre deuxième étage. Et directement au-dessus, on va pouvoir attaquer le troisième étage, qui sont, on va dire, deux étages jumeaux dans le bâtiment. Donc vous refaites la même chose. Donc, 1, 2, 3. Et l'escalier renversé dessus. Et par chance, j'ai tiré exactement la bonne taille. Escalier à l'envers en dessus. Escalier à l'envers. Ceux qui jouent sur Xbox, je crois qu'il n'y a pas les escaliers à l'envers. Enfin, je ne sais plus. Je crois que sur une version, il n'y a pas les escaliers à l'envers. Ben, n'hésitez pas à poser des blocs blancs. Ça va aussi très joli. Ensuite, parfait. Et pour casser un peu ce mur tout bleu, vous allez prendre du bleu clair. Et les deux d'en haut, vous allez remplacer par des blocs bleu clair. Parfait. Comme ceci. Vous pouvez agrandir 2 à 3, c'est comme vous le sentez. Parfait. Donc là, on a notre façade avant qui est totalement prête. Parfait. Ensuite, ça, on va laisser un peu de côté pour le moment et on va passer directement à la façade ici. Donc vous allez poser deux blocs bleus. Deux blocs bleus. Parfait. Ensuite, des escaliers ici, quatre escaliers. Avec vos blocs bleus, vous allez monter de 3. Parfait. 1, 2, 3. Vous allez relier tout ça. Et vous allez poser des glass panels au milieu. Voilà.
Parfait. Ensuite, on est bon. On va passer au côté. Donc le côté, vous laissez 1, après 2. Pardon, je fais une bêtise. Donc vous reprenez la même chose ici de l'autre côté et vous allez laisser 2, un espace, 3, un d'espace par ici, tac, 3 d'espace, un d'espace et 2 d'espace. Comme ceci. Donc 2, 3, 2, 3, 2. Parfait. Entre deux, vous posez des escaliers, 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 escaliers. Vous montez tout ça jusqu'en haut. Comme ceci. Et on va pouvoir mettre nos petites fenêtres. Jusqu'en haut. Parfait. 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 Et encore une fois, oula, parfait. Comme ceci. Derrière, vous allez refaire la même chose que là-bas, c'est-à-dire un pont dans ce genre-là. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Parfait. Et donc là, on a notre chose qui est prête. Ok. Ensuite, on va laisser ça de côté pour le moment. Et en fait, cette façade-là, que vous avez ici, vous allez la recopier de l'autre côté, c'est-à-dire ici. Vous allez faire une sorte de copier-coller ou à la main, et vous allez faire la même façade que vous avez ici, mais de ce côté-là. Donc je fais ça hors cam et on se retrouve juste après. Et donc voilà, on se retrouve sur notre petit poste. Donc j'ai recopié ça là, hein, à la main, pas avec l'edit, j'ai bossé. Et donc on va pouvoir continuer les deux autres murs. Alors les deux autres murs, c'est très simple. Ça, on va relier au premier mur simplement en posant de la laine bleue, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Laine bleue, laine bleue, laine bleue, laine bleue, laine bleue. Perfecto. Parfait. Ensuite, de l'autre côté. Voilà, parfait. Ensuite, attendez, petit coup d'œil sur les plans et je reviens. Ok, re. Donc ici, vous allez encore, par contre, ici, rajouter un de hauteur. Ici. Et ici, très important. Et ensuite, au-dessus, vous allez pouvoir remplir sur toute la longueur ici de briques, comme ça. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'il y a là depuis ici jusqu'ici en haut, on va le remplir de briques. Je le ferai plus tard. On va faire tout d'un coup. Voilà. Donc ça, on va le remplir de briques plus tard. Parfait. Ensuite, pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est 5 hauteurs de blocs ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tout ce qu'il y a ici et en dessous, on va tout remplir de laine bleue. Et tout ce qu'il y a au-dessus de cette ligne, donc entre là. Et là, on va tout remplir de briques. Donc, on va faire ça. Je fais ça et on se retrouve juste après. Et re les amis. Et donc, vous avez vu, j'ai terminé donc ce long mur plat. Et donc, vous vous doutez bien qu'on va pas laisser le mur comme ça parce que là, il fait vraiment très 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 vide. Hein? Donc, on va y rajouter quelques petites fenêtres. Donc, on va se baser sur les fenêtres qui sont ici en bas. Et on va recréer les mêmes fenêtres à peu près. Donc, vous allez en poser une ici. Alors on va creuser 3, 2, voilà, vous creusez des murs comme ça. Parfait. Celle-là, vous l'oubliez, celle du milieu. Et vous reprenez sur l'autre. On va laisser un espace comme ça au milieu. Pour pas que ça fasse trop régulier. Comme ceci. Et là, après, vous pouvez tranquillement mettre vos petites fenêtres. Voilà. Voilà.
Voilà. Comme ceci. Comme cela. Parfait. Ensuite, au-dessus, on fait de même, c'est-à-dire ici, fenêtre, ici, fenêtre, et ici, fenêtre. Donc, je fais vite ça et je vous reprends. Voilà. Donc, j'ai terminé comme ceci. Et donc, vous pouvez rajouter un petit élément de décoration. Vous allez prendre un levier. Vous allez le poser ici, par exemple. Vous allez poser au-dessus de ce levier quelque chose comme ça, un escalier. Ça va vous faire une sorte de ventilation pour pas que le mur ait l'air trop plat. Vous voyez, ça fait comme s'il y avait du système d'air qui sortait par là et qui soufflait. Autre chose pour décorer les murs que vous pouvez aussi faire, si vous aimez, c'est un hooper, un comparateur, comme ceci. Alors, juste pour rajouter des trucs quand vous avez des murs trop vides. Parfait. Donc je vais laisser les deux pour un peu d'inspiration pour vous. Parfait. De l'autre côté, où on a aussi fait le mur plein de briques, celui-là est aussi pas mal plat. Et voilà, donc on va essayer de rajouter quelques fenêtres. Le problème, c'est que il n'est pas très visible. Donc on va essayer de quand même rajouter des fenêtres, mais sans trop mettre. Donc on va ici poser juste deux petites fenêtres sur tout le mur. Donc vous allez faire quelque chose comme ça, un escalier. Et un trou juste ici, un bloc, et de l'autre côté aussi. Juste ici. De nouveau, des vitres plates. Et on est bon. Parfait. Très bien. Donc vous voyez, on avance assez vite. Ensuite, prochaine étape, vous allez prendre vos dalles en stone. On va commencer ici. Oula, et vous allez recouvrir quelque chose comme ça, chaque fois en double stylops. Vous pouvez en mettre qu'une, mais si vous voulez décider d'en faire qu'une, c'est du côté du haut, comme ceci. Et donc vous allez recouvrir tout ce toit, la totalité du toit ici. Et pareil en dessous, vous allez faire ici la totalité du petit toit ici. Donc je fais ça. On se retrouve juste après. Et donc voilà, on se retrouve tranquillement. Donc j'ai fait les toits. Donc là, on a notre bâtiment qui est bien plat. Et donc on va pouvoir attaquer. Donc justement, les plafonds, on va faire comme ici. On va les entourer d'escaliers à l'envers. Pour faire un rappel. Donc ça, c'est vraiment les trucs qui délimitent les étages. Donc sur le petit, on va faire comme ça. On va faire le tour de cette chose comme ceci. Parfait. Comme ceci. Pareil pour le grand. Comme ceci. Donc on va faire vraiment le tour avec des escaliers à l'envers. Voilà, donc comme ceci. Je continuerai à la suite. Avant que j'oublie, ici vous allez pouvoir faire quelque chose d'assez joli. Au-dessus du garage, vous allez prendre le milieu. Vous allez casser 4 blocs, comme ceci. Et vous allez remplacer les blocs par des blocs de couleurs comme ceci. Bleu et rouge, comme pour un peu signifier les sirènes de la police qui rajoutent un peu de détails au-dessus. Ça fait comme s'il y avait une alerte ou quelque chose, ça pourrait clignoter, donc ça rend assez bien. Donc on va vite remettre le jour. Parfait. Et donc là, vous allez faire tout le tour avec des escaliers. Et avant que je fasse ça, on va aussi pouvoir faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que ici, vous allez poser un escalier pour vous appuyer et vous allez poser quelque chose comme ça. Parfait. Vous avez plein d'escaliers comme ça. Et un sur deux, vous allez essayer d'avoir des sortes de ponts comme ça. Donc un pont ici. On va rajouter un pont ici. Un pont ici. Un pont ici. Et on va faire des barrières comme ça sur tout le long. Par contre, ici, on va avoir un problème pour continuer. Donc ça, c'est simple pour continuer. Il vous suffit juste de poser un bloc. Et vous pouvez continuer avec des escaliers. Pas un bloc, hein, une dalle. Et donc vraiment, vous pouvez comme ça faire vos petites barrières tranquillement. Hein, donc, une sur deux, vous les remettez. Comme ça, vous pouvez avoir des petits ponts. Donc ça vous fait des barrières assez jolies. Comme ceci. Ici, on va pouvoir attaquer.
pareil ici. Quelque chose comme ça. Donc hein, faites attention de ne pas le faire sur le truc blanc. Le truc blanc doit toujours dépasser. On va... Donc la languette blanche, elle dépasse. Et donc on va vraiment faire ça sur les premiers blocs du plafond. Parfait. Parfait. Non, pas parfait du tout. Voilà. Comme ceci. Et vous allez faire ça, la même chose ici sur le grand toit. C'est-à-dire des escaliers à l'envers tout autour. Et ici, vous allez poser la même chose. Donc c'est-à-dire ces genres de barrières. Donc je fais ça hors cam et on se retrouve juste après. Re les amis. Et donc on se retrouve. Donc là on a quasiment fini. Vous voyez, ça commence vraiment à prendre bien bien forme. Et donc il va nous rester the last chose. Donc sur le toit. Donc j'ai vraiment fait ces barrières tout autour. Ça rend assez bien. Et donc on va finir le petit bâtiment sur le toit. Alors le bâtiment sur le toit, vous commencez ici, vous comptez 2, 1, 2. Et à 2, vous allez poser des tours comme ceci. Parfait. Des tours, je ne sais absolument pas combien de haut. Super. Des tours comme ceci. Ce bâtiment ici en haut sera totalement fait de laine bleu clair. Donc vous allez pouvoir déjà faire une ligne bleu clair. Vous allez voir. Après, on va creuser une vitre à l'intérieur. Ensuite, une ligne bleu foncé. Une ligne bleu clair. Une ligne bleu clair, comme ceci. Donc on est bon. Là, on est plutôt bien. Il y a encore une ligne bleu clair, si je dis pas de bêtises. Voilà. Parfait. Et donc là, vous allez creuser à l'intérieur de ça une sorte de vitre arrondie. Donc vous laissez deux d'écart. Là aussi, deux d'écart, ça vous fait quelque chose de 4 comme ça. Vous laissez qu'un d'écart. Vous montez à 3. Parfait. 3 ici. Et ici, vous faites en sorte que vous avez aussi 4. Donc 4, 3. Après tout le reste, vous pouvez remplir de glass panel comme ceci. Oula. Oula, ça veut plus, ça veut plus, ça veut plus. Ma souris ne veut plus marcher. Je m'en excuse. Ma souris est en train de me dire non, s'il te plaît, reviens. C'est bon, c'est bon. Petit bug de souris. Donc, on va avoir quelque chose comme ça, une sorte de. Ah, de choses. Comme ceci. Parfait. Sur le côté, on va continuer. C'est-à-dire qu'on va reprendre le même patron. Comme ça. Comme ça, oui, comme cela, pardon. Donc, une laine bleu clair, une laine bleu foncé, ici en haut. Parfait. Et là, on va pouvoir tirer ça. Jusque là-bas. C'est-à-dire que maintenant, ici, on va devoir laisser 4 de marge. 4 de marge, on va poser un pylône. Comme ça, on aurait délimité. Donc 4 de marge, c'est pas 2 de marge. 4 et là. 4 et là. Donc là, vous pouvez monter vos pylônes. Parfait. Ensuite, vous tirez ça jusqu'ici. Comme ceci. Parfait. Ensuite, ici, vous laissez libre. Là, on va avoir une fenêtre. Là, on va poser un bloc. Là, on va avoir une autre fenêtre. Un bloc. Deux blocs. De nouveau une fenêtre de deux. Un bloc. Voilà. Et ensuite, il vous suffit juste de monter tout ça jusqu'en haut. Parfait. Ensuite, on va remplir ces fenêtres comme ceci. Oula. Parfait. 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 Et comme ceci. Comme ceci, c'est parfait. Ensuite. Vous prenez les escaliers. Ça, c'est pas très obligatoire parce qu'en fait, elles sont un peu cachées par les barrières. Mais faites-le quand même. Et vous fermez vos vitres comme ceci. Ensuite, vous recopiez ça ici, ça là, et on se retrouve après. Ok? Donc ça ici, ça là. Et vous pouvez déjà faire, c'est ce que je vais faire, c'est au-dessus de ça, refaire un toit comme ça. C'est parti. Et donc voilà, on se retrouve. Donc j'ai fait notre petit toit, notre petit avant-toit, ici en haut. Parfait.
Et donc, cet avant-toi, on va pouvoir y rajouter encore les trucs habituels. Donc, hein, c'est la dernière fois que vous allez devoir répéter ça. Donc, vous êtes des as. C'est-à-dire, poser les... Oula, les escaliers à l'envers et faire des petites barrières. Hein, vous allez pouvoir faire ça après. Mais tout d'abord, on va pouvoir décorer un peu ces toits. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous allez prendre à peu près le centre du toit. Comme ceci. Et vous allez pouvoir, voyez, deux ici, faire une sorte de carré comme ça. Parfait. De l'autre côté aussi. Deux, deux. Et vous allez faire un carré comme ça en slaps. Parfait. Les deux, vous allez les relier par une seule dose de slaps. Et vous allez poser des rails qui tournent comme ceci pour faire les grilles d'aération. Parfait. Au centre, vous allez poser un bloc de chiselette stone brick, donc de trucs comme ça pour donner une sorte d'effet de rotation. Parfait. On va rajouter encore des petits détails. Vous allez très vite voir. On va prendre un cobblestone wall, donc un mur en cobble et des barreaux. Ici, donc sur l'image dont je prends exemple hein, du jeu, vous avez ici, une sorte de parabole, ouais, une sorte d'antenne pour capter les signaux, je pense, téléphoniques. Donc, on va faire quelque chose comme ça. Vous posez un cobblestone wall ici et vous allez faire un zigzag comme ceci. Voilà. Donc, pour donner une sorte d'effet comme ça de parabole. Et ici, derrière, on va pouvoir poser, disons ici, non, ici, une petite antenne. Parfait. Ici aussi, donc ici sur l'image dont je prends exemple, ici on a une grosse, une longue antenne. Donc on va la faire monter à peu près, allez, deux au-dessus du toit ici, comme ceci, donc deux au-dessus du toit. Donc ça va être l'antenne téléphonique hein, pour le standard de la police, quand ils reçoivent les appels, tout ce qui est Internet, voilà. Là, on a une longue antenne. Et ici, aussi pour la décoration, on va pouvoir rajouter quelque chose comme ça. On va mettre 2 de hauteur, 3 de hauteur. Parfait. Pour des genres de petites antennes. Donc là, on a déjà des toits bien décorés. Donc, je vais tranquillement finir ça et on se retrouve juste après. Et donc voilà, j'ai fait nos petites amies les barrières ici en haut. Et donc, on peut voir que notre bâtiment est quasi terminé. Donc voilà, donc il donne vraiment bien. Donc on a fait un peu la déco du toit. Ici, vous pouvez laisser plat. Vous pouvez poser d'autres choses. Tenter de faire une sorte d'héliport, pourquoi pas. Mais ça, moi je vais laisser comme ça. Mais vous pouvez très bien tenter de faire un héliport ou rajouter un peu de bouche d'aération. Et donc, ben, ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que vous l'aurez apprécié. Donc n'hésitez pas à aller voir la deuxième partie où on va faire l'aménagement extérieur et intérieur. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!